running through the city. City on my back, back then ain't nothing changed, but the money on my lap, lap till I'm in the game, game time. Et yo les gens, ici Strax et aujourd'hui nous allons nous retrouver pour une nouvelle vidéo sur NBA 2K15 et on va tout simplement se retrouver face à une équipe que Doc Rivers connaît très très bien parce qu'il s'agit de son ancienne équipe du jeu, donc toujours son équipe actuelle dans la réalité, les Los Angeles Clippers. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que du côté des Clippers, il y a, il y a un très bon effectif, mais sauf que leur souci c'est au niveau du poste 3. Donc justement on aura cet avantage là du côté du poste 3, donc il va falloir en profiter, il va falloir que vraiment j'exploite au maximum ce petit défaut que les Clippers connaissent. Et donc aussi il va falloir jouer très 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 rapidement parce que voilà, c'est certes c'est une équipe qui va beaucoup dominer et tout, mais bon, ça va beaucoup se jouer en alley-oop et tout, donc du coup il va falloir pallier ça. Et le petit windmill inversé, donc il va falloir pallier ça en allant marquer des paniers très rapidement. Et on laisse Doc parler. Hey, listen up, we gotta push the ball, all right? First thing we gotta do is rebound, and then I want everybody getting out, fill the lanes, pass the ball ahead, and let's get some easy baskets. We can beat this team down the floor. Ok Doki, ok c'est parti. Donc il va falloir justement jouer très rapidement et tout. Et là boum, tiens, voilà, get back. J'espère que t'as kiffé ça. C'était bon. Non, je te promets, la prochaine fois, je ferai plus attention, parce que là, ouais, c'était quand même assez méchant et tout. Bon, après, ils ont la remise en jeu et tout, et la remise en jeu, voilà, qui va directement dans mes mains. Et donc, on a vu Randle couper, et voilà, ça se termine tout simplement en alley-oop. Donc, voilà, c'était quand même une action assez simple et tout. Et pourquoi j'ai pas pris le risque de dunker? Parce qu'en fait, l'IA, il fait beaucoup de passages en force et tout. Et donc à la fin du premier quart-temps, on était à moins 6. Et là, quand je reviens, voilà, j'étais assez dégoûté parce qu'on était à moins 13. Donc voilà, l'écart qui se creuse. Donc là, ce système-là, je l'aime bien parce que c'est très utile pour prendre soit un shoot à 3 points, soit voilà, rentrer dans la raquette et justement provoquer la faute. Donc après voilà, sur ça j'en ai marqué que 1 sur 2 malheureusement. Donc voilà, le deuxième vous allez pas le voir. Mais bon voilà, ouais, ce système là il est vraiment très appréciable et tout. Donc là voilà, au premier instant, hop là on sort un petit peu notre Steph Curry qui est en nous. Parce que justement voilà, ça de plus en plus on me voit tirer à 3 points. Donc là voilà, on voit que j'intercepte le ballon. On revoit encore une fois, cette fois-ci c'était Isaiah Cannon. Et il peut justement rentrer tranquillement. Donc voilà, à la mi-temps on est à moins 19. Donc ça fait vraiment très très mal. Et ouais, du coup il va falloir vraiment tout donner si vraiment on veut remporter ce match. Mais bon, faut pas se le cacher que moins 19 à la mi-temps c'est vraiment assez limité et tout. Donc là on peut voir que l'écart il s'est encore creusé et tout. C'était vraiment la totale et tout. Donc là on sort un timing parfait à 3 points. En plus, ouais, notre pourcentage de réussite et tout, il était plutôt pas mal. Donc là, on est à moins 13, moins 23 même. Moins 23. Donc c'est pour dire, donc après j'ai essayé un petit peu de justement aller chercher un maximum les points faciles et tout. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon joueur, voilà, il y a un moment où il était vraiment fatigué. Je l'ai vu justement qu'il avait du mal à passer justement les adversaires et tout. Donc là voilà, le tir, bon, il était pas parfait et tout, mais bon. Donc voilà, là j'ai voulu en fait provoquer la faute et tout pour tout simplement sortir. Donc afin de pouvoir respirer et tout. Et en fait ce que j'avais pas capté, c'est que j'étais déjà à 5 fautes. Donc du coup je suis sorti pour 6 fautes. Donc après le coach voilà qui dit j'en attendais un petit peu plus de toi et tout. Ça ouais, je suis tout à fait compréhensif et tout. Parce que ouais, ce match là vraiment, ça c'est un match qu'il va falloir oublier.
Donc là il y a moins 23, donc logiquement on va perdre. Donc voilà, au final on perd de 14 points. Donc ouais, l'équipe qui a quand même réussi à un petit peu revenir et tout, mais bon. Donc bah voilà, donc là on va voir que tout simplement c'était en Hall of Fame et tout. Mais voilà, je suis quand même assez déçu parce que vraiment on aurait pu sortir un petit peu mieux. Donc là il y a Blake Griffin et DeAndre Jordan qui nous sortent un double-double, tu vois, un petit peu tranquille. Enfin même Chris Paul, bah oui, même Chris Paul. Chris Paul, Blake Griffin et et DeAndre Jordan, voilà. Donc bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu les gens. Je vous dis à la prochaine. Donc malgré la défaite, voilà, j'espère que on va justement revenir la tête haute et tout, pour justement surpasser tout ça, parce qu'il va falloir vraiment envoyer du lourd si on veut remporter cette série face à ces Clippers qu'on a pu voir vraiment très 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 agressif. Donc c'est à partir de ce moment là que j'ai été à 94 de général. Donc je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et salut salut.